Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. En tout cas, pour cette chaîne, c'est une première. Je vous présente mes achats du mois ainsi qu'un bref descriptif de ceux-ci. Sur Game Boy, Revenge of the Gator. C'est un petit jeu de flipper très très bien réalisé sur le thème des alligators. Étant donné que ce titre est très bon marché, ce serait un tort de s'en priver. Autre titre sur Game Boy, Gremlins 2 version japonaise. Sur l'étiquette PAL, c'est un Gremlins. C'est un jeu de plateforme très très bien réalisé, les animations sont top. La musique est très bien également. Je ne peux que vous conseiller de le tester. Nous allons passer maintenant à la Super Famicom, avec Jackie Crush. Alors là, attention, ouvrez grand les mirettes. C'est un titre tiré de la licence de Dragon Fury. Le jeu est très très bien réalisé, cependant la difficulté excessive vous mettra des bâtons dans les roues. Également sur Super Famicom, Battle Pinball. Jeu de flipper à l'ambiance typiquement japonaise, le titre est tiré d'une série de plusieurs jeux comportant à chaque fois les mêmes personnages. Il est délirant. Autour de la NES maintenant, avec un petit jeu très peu connu que je ne possédais pas encore, qui est Super Mario Bros. Que dire sur Super Mario Bros. Qui n'a jamais été dit ? Bah rien. Le titre a relancé lui-même l'industrie du jeu vidéo à l'époque où Atari s'est complètement planté. Une petite bouse, comme certains pourraient l'appeler, Dragon Ball. Testé maintes fois et détesté autant de fois, Dragon Ball est un titre assez mal réalisé. Cependant, il reste toujours agréable de posséder un titre à la licence de Dragon Ball. Autre grand classique de la NES, Kung Fu. C'est probablement le titre qui, en arcade ou en NES, a popularisé le style beat'em up. Si c'est l'hiver, vous toussez, vous appelez qui ? Docteur Mario ! Docteur Mario, titre bien connu également sur Super Nintendo. C'est un puzzle game dans lequel vous devrez aligner des pilules afin de libérer le niveau de tous ces microbes. Un excellent beat'em up, Batman Returns sur NES, en version US. Titre dont on parle très peu, mais qui est exceptionnel. Tant au niveau de l'ambiance que des graphismes ainsi que les possibilités de mouvement. Petite affaire que j'ai pu faire en vide-grenier, en boîte, Boulder Dash. Il ne possède pas de notice, mais j'ai le fourreau ainsi que la cassette et la boîte. Frayez-vous un chemin dans les grottes afin de récupérer tous les joyaux et ouvrir les portes secrètes.
autour de Sega maintenant avec Teddy Boy, un des premiers jeux que j'ai pu tester sur la Master System. Tiré directement de la version arcade, le titre a été porté sur Master System. Le principe ressemble étrangement à Flicky. Vous devrez récupérer les miniatures de vos ennemis après les avoir tués. Le célébrissime Ginoog ou Ginoog, je ne sais pas comment ça se prononce. Premier shoot'em up dont je parle, tellement celui-ci est exceptionnel et jouable. Techniquement irréprochable, parcourir les niveaux de ce titre est un régal. Une petite pépite, Dragon Fury. Titre exceptionnel. C'est un portage direct de la version PC Engine. Énormément de niveaux bonus, énormément d'animations et de subtilités. Le jeu possède des boss ainsi qu'une fin, ce qui est rare pour un titre de style pinball. La suite de Dragon Fury qui est Dragon Revenge. Alors là, malheureusement, c'est une suite de Dragon Fury, mais beaucoup moins bien réalisée. D'ailleurs, ce n'est pas la même équipe qui l'a réalisée. Il est loin d'être l'indispensable du style pinball. Et oui, encore un jeu de flipper, Psycho Pinball. Ça sent la vidéo sur les jeux de flipper. Souvent considéré comme le meilleur jeu de pinball sur cette console, à mes yeux, cela reste un pinball tout à fait classique. Autre pinball, Crewball. Alors c'est un pinball à l'ambiance assez particulière sur le thème d'un groupe de rock des années 80. Si vous aimez ce style de musique, c'est mon cas, foncez. Le célébrissime Sonic dans la version Pinball également, Sonic Spinball. Dans ce pinball, vous incarnerez Sonic. Vous allez devoir déjouer comme d'habitude les plans du vilain Dr. Robotnik. Fait de grosses acquisitions, mais je pense avoir fait pas mal de beaux petits lots. Ça sent la prime des congés payés, effectivement. Étant donné que je n'ai pas sauté sur la NES au moment de sa sortie, mais plutôt sur la mini Super NES, je me suis dit, étant donné que Nintendo ne sort plus ses consoles, il est temps vraiment que j'en trouve une avant que les prix ne flambent.
pour le prix de la console, j'ai pu obtenir également le magnifique stick arcade que vous avez vu précédemment. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un nouveau concept en tout cas sur cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous à la chaîne, il y a du contenu. Allez, à bientôt! Вот, значит.